Donc voilà, le compresseur, généralement les compresseuristes vous disent voilà un compresseur à vis sèche, ben, il n'est pas, vous avez sûrement remarqué à l'utilisation que ben, ce n'est pas tout à fait exact, hein. Vous avez toujours de l'huile dans les paliers, dans les roulements, etc. Ce qui fait que votre compresseur n'est pas 100% sec. Donc là, à titre d'exemple, c'est une machine à bloc vis sèche et on voit qu'on a quand même de l'huile, des fuites d'huile un petit peu partout en dessous de la machine. Donc ensuite, par un effet de vaporisation, cette huile va rentrer à l'aspiration et vous allez polluer votre air. Vous êtes obligé d'installer des systèmes de déshuileurs ou séparateurs pour récupérer, pour avoir un air très propre. Hein. Alors, ce qui n'est pas le cas pour notre HSR, comme nous n'avons pas d'huile nulle part sur la machine, donc l'air qui est aspiré est restitué dans les mêmes conditions. Hein. Aucune pollution. Hein. En plus, cette technologie, donc à haut rendement, avec le moteur à aimant permanent, nous permet d'avoir des consommations d'énergie facilement jusqu'à 15% en moins par rapport à une machine similaire en vis. Donc c'est énorme, hein, 15% de consommation en moins sur un équipement, quand vous avez un équipement de 200 ou 250, 300 kW, vous le voyez très rapidement sur votre facture d'électricité à la fin de l'année. Hein. En plus, cette technologie sans contact, donc sans usure, donc vous avez quasiment plus de maintenance à faire, à part changer les filtres à air tous les 6 mois pour maintenir des bonnes performances sur votre machine. Donc 90% en moins de maintenance. C'est vraiment très très appréciable si vous êtes opérateur. Quand vous laissez l'équipement tourner et qu'il n'y a pas de maintenance à faire dessus, vous gagnez du temps et de l'argent. Nous avons non plus pas de traitement des déchets à faire, nous n'avons pas de filtre à huile, aucun de ces éléments à récupérer, à recycler. Et nous avons aussi, on va vous présenter un peu plus tard, un système de récupération de chaleur qui est intégré à cette machine. Donc c'est vraiment beaucoup, beaucoup de bénéfices.